Bonsoir. Hola. Bonsoir. Hola. Hola, gringos. Ça va? J'ai l'air de la mort, là, y'a plus rien à faire. Papa nous a dit la plata ou le fer. On rêvait du million, on rêvait du roro. Bientôt la promenade avec Juan Moro. Ouais, on a gardé ton tech 9 parce qu'il y a les vagos pour le 19e mois. Merci mon frère. Ouais, bien. Attends, Bader, je suis avec lui, là, Stekas. Bah, tu m'as dit quoi, Segundo? Tu veux qu'on se voit, je te le rends? Je suis le plus moche. Ben vas-y, ben. C'est une sirène, ben, je suis un. Une position, d'accord. Si c'est pas un, c'est les vas-y, autres. Chauffeur. Non, mais la dernière fois c'est les vagos qui m'ont forcé, je t'expliquerai, t'inquiète. C'est super, mais parce que en fait. T'as raté 1000 trucs. Mais non. Bien ou quoi, les gars? Président. Ouais, je me suis présenté aux élections présidentielles, là je vais être président. Les sondages, ils m'annoncent favori. Wesh, wallah, ouais. Je savais pas. Et toi, t'as. Mais. Président. Ah, de quoi? De la fête foraine? Non, de la République. Non, je te parle ça, on allait au gouvernement et tout hier. Voilà, on était au gouvernement hier et tout pour ça. Enfin, pas pour ça, enfin, voilà, on était au gouvernement hier. Attends, y'a Lamar. Attends. Wesh, il a baisé le background là. Wallo, Lamar, bien? Ça va et toi? Non, ça va pas, ça nique mon histoire là. Pourquoi? Non, rien. Mais ça dit quoi, Lamar? Tu m'as grave pas manqué, hein. Tu m'as manqué, je veux dire. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire mes copains? Non, pas trop. Dis-moi, c'est pourquoi? C'est pour l'argent ou rien? Pour l'argent. Dis-moi, c'est quoi? Bah, je t'envoie une pause. C'est pourquoi, dis-moi. Bah, pour l'argent. Ah, je te dois. Ah, ouais, vas-y. Bah, vas-y, je t'envoie une pause. D'accord. Vas-y. Ou envoie-moi, toi, envoie-moi. Oui, vas-y. Je t'envoie. Vas-y. Voilà, Marc. Atterrissage. Ça va, les gars? Ça va, Lamar? Bien. Ça va, et vous? Je te cherchais hier. Oh, beau gosse, c'est 10. Ah oui, merci. Pourquoi? J'ai pas fait de bêtises. Non, t'as pas fait de bêtises. Qu'est-ce que j'avais fait? Alors ben, j'avais besoin d'embaucher quelqu'un. Il est grave bien habillé, wesh, ouais, comparé à moi. J'ai grave la... Ah, tu veux faire quoi? URH, eh, hey, je vais me changer. Non. Ce soir, je me change. Et tu vas faire partie de cet empire, avec nous. Un empire pour devenir grand. Un empire pour devenir le plus grand, même. Ouais. Et j'aurai un avion. T'auras même deux avions si tu veux, et un hélicoptère. Oh, what the fuck? C'est vrai? Ça pourrait me permettre d'avoir un avion. Mais va falloir que tu charbonnes, Lamar. Yo, t'inquiète, man. Nous, on te passe de la drogue, toi tu la vends. Et à la fin, tu nous ramènes l'argent et on te paye. Oui, mais vous m'avez passé combien de dogs? On voit. On voit selon combien de temps tu mets à la vendre, si t'as des galères et tout. Je t'expliquerai après quand tu iras le faire, ok? D'accord. Mais si y a des terrains de vente ou pas? Où on doit aller, où on ouais, peut ouais, aller. Ouais, fête foraine. Mais je t'expliquerai tout après, t'inquiète. Là, règle des trucs avec Bader, et après je t'expliquerai quand tu... Oh, oui. Truc, c'est toi, règle, ouais. Bah comment ça, moi, règle? Bah, il veut ça paye. Ça paye de quoi? De... pour ça le truc qu'il a fait, là, avec... comment il s'appelle? Tu vois, le pot de Nutella, te rappelles pas? Ah, on te l'offre une glace. L'autre, là, le Latino, là. C'est soit la glace, soit l'argent. Tiens, 1000$, mon ref. What the fuck, arrête. Avec tout ça, je pouvais m'acheter environ deux consoles. Voilà, tu vois là, tu vas être bien. Mais garde ton argent pour t'acheter l'avion pour ta daronne, ok? Oui, c'est dans mes projets, j'économise. Vas-y, super. Lamar, oublie pas le plafond, hein, quand tu veux. Non, je peux oublier, t'inquiète. Il a pas tort. D'accord. Je te mets ça là. Vas-y, bien vu, mon gars. Mais en quoi, toi, tu travailles pour nous? Ça va, ouais. C'est bien vu. On m'a dit, t'es un bon, toi. Faner les couilles. C'est un bon. Toi aussi, tu vas nous faner les couilles si tu continues à te plaindre. Prends la drogue, vends. Yo mon boy, je me plante pas. Ouais, mais parle pas trop. Fais voilà, reste droit. Tiens, je t'ai mis un goûter dans le coffre si jamais t'as faim. Je vais faire l'ancien avec les vendeurs. Combien là? Je t'ai mis 36. C'est tout ce qui nous reste là pour l'instant. On va l'en chercher. Vas-y mon boy, je te ramène ça dans. Vas-y, bon courage. Pas un trou, hein. Pas un seul. De quoi? T'as dit quoi toi? Pas un seul trou. Quel trou? Il le sait, t'inquiète, il est briefé. Parfait. Tu as bien dit, pas la plage. Je leur ai dit, ah oui, attends. Eh papa, il était comme ça, donc faut être comme ça, cru, sec. Oh, Aiden.
Fais gaffe, j'ai pris un coup de pression des Vagos. Si jamais vous vendez à la plage, administration, quoi, Yawak. Coups, donc reste bien à la fête foraine, ok. Putain. C'est bon. Non, mais non, c'est pas ce que tu penses. Ouais. Bien ou quoi, les frères? Ah, les gars. Non, ça va pas, non. Pourquoi ça va pas, les gars? C'est vrai, merde. T'es qui, toi? T'es aussi un frère, frère. Idriss. Ouais. Ok. Bon, ouais, rien de personnel. T'as vu, ça, c'est parce que, hein, pour les coups de feu qu'il y a eu l'autre fois. On va parler plus fort, s'il vous plaît. Je te disais, y a rien de personnel, hein, comme je t'ai dit. Des coups de feu qu'il y a eu l'autre fois et voilà. Suivi de deux morts, quoi. Écoute, c'est les Vagos. Vois avec les Vagos, ça, c'est pas nous. Tu vois, nous, on a. C'est pour ça que pour se rattraper sur ce geste-là, parce qu'on ne savait pas que les Vagos, ils allaient abattre de tes frères. On a volé le Tech 9 chez les Vagos, t'as vu, que on... pour te le rendre. Sinon, t'allais plus l'avoir. Tiens. Pourquoi vous êtes pieds nus, les gars? Mais c'est pas... Attends. Recule vite fait. Recule un peu, Mais c'est pas gratuit. Quoi? Bah, c'est pas gratuit. Comment ça, c'est pas gratuit? Attends. Déjà, vous avez buté. Allez, vous avez contribué à la mort de deux méga. On savait pas, je te jure qu'on savait pas. En plus de ça, attends, parce qu'en plus de ça, les 500 kilos, là, que je vous ai livrés, tu me les as mis dans le cul, aussi. Écoute, on s'est fait baiser, nous deux, dans l'histoire, t'as vu? Dans l'histoire, nous deux, on se les mangeait dans le cul, comme tu dis. Les Vagos, ils ont pris la coke, ils nous ont pas donné un seul gramme. Un seul gramme, ces fils de pute. C'est pour ça qu'on te rend le Tech 9, sinon je l'aurais pas rendu. Je t'aurais pris ton Tech 9, ta coke, tes deux frères, ta dignité, on serait parti. Là, on revient vers toi pour te rendre ton Tech 9 et pour qu'on trouve une solution ensemble à se merger. Parce que nous deux, là, on a perdu de l'argent dans l'histoire, là. Mais moi, j'ai pas que perdu de l'argent. Oui, mais bon, tes deux frères, t'en as des milliers de frères. T'en as plein, non? Ouais. Et ça, c'est les Vagos. Totalement. Vous êtes en guerre, c'est normal. Ils nous ont expliqué que tu les niquais tous les soirs, que t'étais trop fort, t'étais un peu le... Vous êtes un peu les boss. C'est ça, non? Oh, ouais. C'est pour ça. Bref, je te rends ton Tech 9. Et là, faut qu'on... Tu vois, nous, on est prêts à tourner la page, à possiblement faire affaire ensemble. Pas forcément tout de suite, Tu vois, là, j'ai rien à te demander, y'a rien. Mais peut-être plus tard, tu vois, on s'appelle ou quoi, s'il y a besoin de quelque chose. Très bien. Et si t'as besoin de gars pour quoi que ce soit, tu vois, attraper un mec ou n'importe quoi, tu nous appelles, on est redevable, tu vois. Tu nous appelles et on fait ta mission. Ok, Très bien. C'est bon, les gars, c'est comme ça. Je garde ça en tête, mais j'oublie pas que t'as souillé ma confiance une fois déjà. Eh bah, les couilles. On est là pour l'argent. Dis-lui, Drizzy-lui. Non, les gars, si vous commencez à penser, tu m'as souillé, nani nana, c'est du bif ici, rien à foutre de vos problèmes que de merde. Que le bif, voilà, dis-le, Idriss. Bordel c'est de merde, vrai, mais c'est vrai mettez au moins des comptes ou des claquettes. C'est vrai. Non. C'est dans notre région, si on est pieds nus, si je veux. C'est quoi? Ah, désolé. Dans notre région. C'est un instant. Vas-y, bah tranquille alors, je juge pas alors. Moi je juge et mettez des chaussures, les frères. Non, mettez-moi des chaussettes, s'il vous plaît. Eh, vos pieds sont droits. Au moins des sockets, alors. Au moins, t'es mis dans le jean, mis dans le... Voilà, quoi. oublie pas. S'il y a une mission, un truc, du taf, on est redevable. Tu nous appelles. Mais non, bien, ça, c'est le premier. C'est Aiden, ça. Bien, quoi, Aiden Toi, t'es chaud, Aiden. Il me reste 11 pochons à vendre. Je les ai mis dans mon coffre d'appartement. Je les vendrai plus tard. C'est bien, c'est bien. Frère, la famille, tu dors pas? Enlève ton masque quand même qu'on voit ta tête. Vas-y si tu es mon boy. Et remonte ton froc aussi un peu. Et dors un peu, et dors. Ça, mon froc. Ah mais t'es un Asiat? Mais non, je suis britannique. Non, t'es un Asiat. Je suis pas Asiat, je suis britannique. Bah si, il est Asiat. Ah c'est pour ça la cagoule. T'as un peu des yeux bridés, ouais. Ouais, c'est pour ça la cagoule. Ah ouais, putain, t'es... On va te vanner, toi. C'est les pochons que j'ai rendus déjà. Vas-y, bien vu. C'est bien garçon. Bon boulot. T'es un bon. À combien de l'argent, je suis là. Donc là, tu sais que là, la mission, c'est un truc de bonhomme. C'était une petite salope, remonte dans ta voiture. C'est quoi la mission? On ne dit pas, c'est sur le moment, tu verras. Juste, faut être un bonhomme. T'es armé? Je dois en acheter un gun, mais vas-y, personne ne veut. Parle plus fort. Tu veux une arme? Bah ouais, j'en veux une. Vas-y, tiens. Fils de pute, je crois que je suis armurier. On va te faire enculer, bâtard. Bader, t'as dit?
Bâtard. Ah, je me disais, comment tu connais mon blast, toi? T'inquiètes déjà sur moi, hein? Tu me stalks? Non, t'es un fou. Attends, Gospi, je me pose. Pose-toi. J'ai vraiment de ton froc aussi. Mais il est grave bien comme ça, mon froc, hein. Mon froc, il est grave bien comme ça. Que je vais les hacker. Remonte, on dirait une salope. Mais ceux qui le baissent, c'est pas ceux qui veulent... Tu vois pas, c'est un mec de Londres avec son masque avec la... Moi je viens de Londres, écoute, à Londres c'est pas ça. t'es un driller toi? Là, ma mère, je suis driller. Ah putain, ok. On reste là. Ah, dommage. Ouais les frères. Bien Micheton? Ouais. Ah non. Okay. Oh, y'a une chica avec vous? Ouais, moi c'est ma cousine, on touche pas ma cousine, comme ça c'est réglé. Ouais. Okay, ok, bon, c'est réglé. Il y en a un déjà qui est en train de m'énerver. Oh, s'il vous plaît. Toi, t'es qui toi? Moi, c'est Lala. Lala? C'est sa cousine à lui. Ouais. T'as une arme? Non. Ok. Pas justement, toi, t'es qui toi? Bon, je suis Franjo, moi. Toi, t'es Franjo toi? Hein? Ouais, c'est moi. T'as une arme toi? Non, j'ai pas de mère. Ok, et toi, t'es qui toi? Moi, c'est Duchesne. Duchesne, t'as une arme toi? Non. Lamar, t'as une arme toi? Non. Mais t'inquiète, je t'en parle après. Ah ouais. Un câble. Bon, écoute, je peux régler le problème dans 5 minutes, je vais chercher une arme, je reviens. Ouais, voilà, ramène-en deux même si tu peux. Ah, seul, je peux pas te garantir deux moi. Vas-y, ramène-en, ramène le mieux que tu peux. Ouais. J'arrive. Piou. Vas-y, va dans le camion avec les autres. Vas-y, on se bat. Le promoteur, il a perdu. En gros, le plan, c'est qu'il y a des mecs qui vont arriver et vous allez les braquer. Ne vous inquiétez pas, les gars, faites-moi confiance. Quand tirez le mot crocodile, tout le monde sort. Et pointe, vous faites semblant de pointer une arme. Ouais. On peut ouvrir de l'intérieur ou pas? Pas sous corps, moi. Toi, t'as une arme, toi, crocodile. Ou pas? Ouais. Eh, regarde ce qu'on fait. On va Mars. Quoi? On les laisse dans le camion. Essayez de vous masquer, les gars. Ouais, vas-y. Et en gros, on ouvre, il les braque. Nous, on les piétine en vite fait, on se barre avec la voiture. En fait, le plan, ça. Bon. En fait, le plan, ça va être que. Il va falloir qu'on les fasse ranger leurs armes avant même qu'ils se rendent compte que vous en ayez pas, d'accord? Parce que nous, on en a, donc faut vraiment qu'ils les rangent super vite, comme ça au moins. Criez, rangez vos armes. Ouvre les portes, s'il te plaît. Et comme ça, dès qu'ils ont rangé leurs armes. Et après, eh ben, c'est bon. Et après, vous, la famille, vous partez avec le camion, ok? Oh, vous arrivez à ouvrir la porte de l'intérieur ou pas? Non, attends, on arrive. Essayez de mettre des coups de pied dedans pour voir si jamais ça s'ouvre. Ah, vous avez entendu? Vous partez avec le camion après, ok? Ok, on se nafa avec le camion. Avec le camion, voilà. Bonsoir. Enfin, les gars, enfin! Pas trop tôt! C'est quoi cette position bizarre là? C'est quoi? Bah, je me gratte le huc. Ah mais l'endroit là. Ah la position ici. Ah non c'est ouais. je sais pas. En fait on était dans le coin parce qu'on travaille à la pêche. Donc vas-y hein, on a fait ça ici directement tranquillement. Bon on va vous passer l'argent hein. Non ouais, moi je leur passe pas. Là à la fois on a dit quoi? On a dit rendez-vous sans armes. Il y a des mecs qui ont des armes encore. Mais bon ils sont dans les manières mais. Non mais c'est bon j'aime pas. Ranger les armes. Bah oui. Non mais j'essaie d'être dans la confiance mais là la petite pause je t'avoue qu'elle m'a pas mis en confiance. Mais nous les gars on n'est pas un gang. Nous aussi on prend des précautions. Ah ouais, c'est normal. Comprenez-nous, les gars. Après, bah regarde, ce que vous avez fait hier. Regarde, vous restez armés derrière et moi. Non, c'est bon, wesh. Hey, on est trois. Là. Arrête de faire des trucs que vous restez armés derrière. Eh ben, tu sais quoi, je te passe pas l'argent. Eh ben, tu sais quoi, tu vas me passer l'argent et on va rester armés. Ben non. Non, les frères, calmez-vous, les frères. Regarde, c'est quoi? Eh, je vais chanter du Nas pour vous détendre. Polo crocodile, lunettes. Polo crocodile. Levez les mains. Ils vous ont braqué avec des wads. Allez les oranges. Putain mais vous êtes cons. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Putain.
Regardez, ils ont même pas d'armes. C'est ça la confiance. Regardez, y'a pas d'armes, y'a que 3 armes. Regarde James, regarde James, c'est le plus drôle, miskin. Une bande de mimeurs. Des billages. C'est qui, Soso là, enlève ton masque toi, t'es le chef toi. Enlève ton masque, enlève ton masque, enlève. Ouais, enlevez vos masques, même toi là, casquette. C'est bien les gars, c'est bien. C'est quoi ça? Vous êtes sûr, je t'explique, regarde, nous c'est une nouvelle équipe, tu vois. Je te présente directement notre chef, hein, Idriss, qui va nous présenter, va présenter notre nouveau gang. Et on vous déclare la guerre aussi. Vas-y Idriss, je te laisse. Vas-y, dis-leur, on est qui? Vous cassez les couilles, les gars. C'est un coup de fils de pute. C'est dommage pour vous, parce que hier, on est vraiment fait du business, et toi avec vous. Crache un coup, Idriss. Ouais, va cracher. Crache leur même dessus, là, sur eux. Là. Eh bref, du coup, il n'y a ni d'armes, ni d'argent, ni rien du tout. Vous aurez rien. D'ailleurs, vous, dans la vie, tu peux te faire baiser. Donc là, vous nous baisez. On te baise. Donc là, pour nos coups, on va encore vous chasser. Tu vas rien chasser du tout. T'as vu là ce qui va se passer? Écoute, James, écoute. Vas-y. Tu vas faire comme t'as fait là, tu vois, cette dernière semaine, quand t'as pris ton Desert Eagle. Vous allez raser les murs. Et rien, quand vous nous croisez, vous levez la main, vous dites bonjour. Ouais, les bras bus, bien. Ouais, bonjour, Bader. Ensuite, ouais, vous baissez la main. Après, vous partez, vous niquez vos mères dans votre quartier là. T'es qui toi? Recule un peu. Derba pour les intimes. Écoute Bader, okay. Je sais pas pour qui vous vous prenez, mais faut comprendre qu'au bout d'un moment, c'est pas en nous braquant avec vos doigts que... Ta gueule, ça marche. Ça a fonctionné, c'est bon. Mais en fait, je trouve ça dommage, parce que bon, on allait s'arranger, quoi. Ouais, c'est vrai, non, franchement, je suis d'accord, quoi. M'en bats les couilles, James. C'est dommage. On te baise, James, t'as vu, toi, on te baise, on t'a pris ton arme. Et voilà. Maintenant, pour hier, ils vous ont fait du sale ou pas, Idriss et Céline? Ils nous ont fait un vieux plan, vous ramenez de la drogue, vous l'avez dans une voiture, ils étaient 8 dans une voiture, ils sont sortis du coffre, frérot, ils nous ont ramené sur une cascade, et moi en plus je sais j'ai le vertige Bader, j'avais peur. Ouais, même moi j'ai le vertige en plus, putain, c'est ma phobie ça. Ça veut dire ils nous ont mis sur le bord d'une cascade, ils voulaient nous balancer. Donc là faut les niquer quoi. Non, je pense que ce que vous comprenez pas, c'est que lève-toi, nous on a fait carré. Ça, tu te poses, toi. Lève-toi, avance, hein. Reste on debout. On a fait les choses correctes hier. Là, vous voulez qu'on s'encule, et ben on va s'enculer, les gars. On peut les enculer. C'est nous, on s'enculer. Ça devait se terminer aujourd'hui, les gars. C'est n'importe quoi. Bande de fils de pute, tenez juste là, vos mères. Tenez, voilà. Bande de fils de pute, joue avec nos couilles. Tiens, James, tiens. Ta mère la pute. On va faire la guerre au Brabus, bande de filles. Ouais, toi, chef, repars là-bas. C'est bon, ça. Wesh, arrête de parler, l'autre, il a un écho, frère. C'était pas la bonne idée, les gars. Chef Idriss, on leur fait quoi? On les tabasse, qu'est-ce qu'on fait? On part? Non, c'est con, c'est vraiment con. Je sais pas, parce qu'en fait. Non, mais ouais, mais hier, vous avez trop fait des mecs, en fait. Moi, vraiment, je voulais faire affaire avec vous, juste. Mais en fait, ça marche pas comme ça. En fait, tu nous as pris. Ferme ta gueule, je veux pas parler avec toi. Je parle quand même, faut qu'on s'arrange. Non, ferme ta gueule, il parle avec ton chef. Ouais, voilà. Écoute, comment je t'appelais déjà? Idriss. Recule, on t'a dit, arrête de faire le chef ici, toi. Voilà, reste à ta place. Hier, on a voulu faire les choses bien. Là, on va s'enculer, d'accord, très bien. On va pas s'enculer, répète qu'on va s'enculer, je te dis, on va s'enculer, on est des grosses. Déjà, toi, t'encules personne pour commencer. Mais là, toi, tu m'encules. Là, tu t'encules juste toi avec ta vieille coupe, là, ta teinture éclatée, c'est ton honneur que t'encules. Ta vieille couleur, le orange, c'est quoi ça? Pourquoi le orange? Pourquoi? Explique-nous un peu, pourquoi le orange? Pourquoi? Parce que c'est. C'est quoi votre background là? C'est quoi votre histoire? Ouais, c'est quoi l'histoire? Explique. C'est quoi l'histoire du groupe? Vas-y. En gros, je te raconte l'histoire du groupe? Vas-y, raconte. En gros, les oranges, à la base, c'était moi et Amir. T'es par terre là? On s'en bat les couilles, vas-y, c'est bon, c'est bon. Non, attends, moi je saute l'étape, mais juste je veux savoir pourquoi le orange, la couleur orange. Bah, je sais pas, on était les burgers. Ah ouais, bat les couilles. Ah ouais, mais. Salia, merci pour le reset. C'est juste les gens, ils nous appellent comme ça. Ouais, ferme ta gueule, toi, on t'a parlé à toi? On t'a dit d'ouvrir ta gueule ou pas? C'est mémotechnique. Lala, nique-les, frappe-les, Lala. Attends, vas-y, Lala, régale-toi, Lala. On peut récupérer leurs bijoux? Va les niquer, c'est bon, c'est onomatopée. Vas-y, va les niquer. Vas-y, Lala, ouais. Va lui, Lala. Lala. Oh, et toi, lève ton cul, là. Je pense qu'ils ont compris, non? On va se barrer. Prends leurs bijoux. Tu vas en faire quoi, de... Tu veux pas leur péter une arme? T'avais pas dit que tu voulais leur péter une arme? T'as une arme pour nous, James?
Non, n'abusez pas, allez. James, attends, pousse-toi, James. T'as une arme, t'as pas la James. Arrêtez. Vas-y, c'est là, viens, on se barre, tranquille. Non, moi, je veux prendre l'arme à James, moi. Je vais faire une collection. Eh, James, regarde. Eh, Céline, vas-y, vas-y. Attends. James, je veux faire une collection de toutes tes armes. C'est tout ce que je veux faire. Je vais les laisser chez moi, je les expose. Les Zawak, merci la pour le sub. Les gars, s'il vous plaît, stop, arrêtez. Vous avez pris deux armes, on oublie ça, merde, c'est fini, allez. Vas-y, bande de salopes, voilà. C'est fini, ça, merde. Jurez, écoute, dites-le en cœur. Les bras bus, vous êtes les boss. En cœur. Vous le dites, les bras bus, vous êtes les boss. Et vous, pourquoi bras bus? Ferme ta gueule, dis-le. C'est l'un de nos familles, comment ça? Arrêtez de nous insulter juste. Ferme ta gueule et dis-le. Regarde, je fais le décompte jusqu'à 3 et vous faites les bras bus, on est les meilleurs. 1, 2, 3. Les oranges, on est les meilleurs. Non, j'en ai. Non, arrêtez. Voilà, allez, dernière chance, sinon je tire. 1, 2, 3. Les bras bus, c'est les meilleurs. Voilà, bande de salopes. Voilà, encore. Les bras bus, c'est les meilleurs. Voilà, bande de putes. Esquive. Bon. Eh bon. James, je t'ai entendu, t'as dit les bras bus, Non, mon ref. Bon, c'est fini la mascarade là, ça y est. Eh, va contre le mur, toi, on t'a dit, arrête de faire le chef. Ah là là, tu sais quoi, non, c'est bon, moi je pense que c'est bon, non? On les a assez pétillés. C'est bon. Vas-y, Soso, tiens, petite salope, hein. Ah, tu te défends. Bon. T'as vu, je voulais pas en fumer un, les gars, désolé. Ok, vas-y, bienvenue, vas-y, c'est bon. T'es sûr, on lui prend pas une arme parce qu'il a fait le truc quand même. C'est bon, tu vois pas, on leur apprend. Vas-y, leur honneur. C'est bon. Eh, comprenez bien, les gars, nous on va garder les armes, on vous donne pas d'argent, on vous donne rien du tout, et puis c'est comme ça. Eh, le camion, prenez le camion, les autres, Merci, beau gosse. C'est trop. Monte, sac. Part maintenant. Attends. Hop, je vous jette vos armes. Attends, j'ai pas encore jeté. Dis-moi quand hop, c'est jeté. C'est bon. Oh, j'ai des pays, il doit aller voir un vendeur d'armes. Le camion, il est crevé, frère. Ouais, je leur ai baisé le camion. Putain, heureusement, la mare, il est monté. Yes. Oh non. Bah oui. Y'a pas d'honneur. L'autre, il parle, il a un écho, ce fils de pute là. Pourquoi il ferme pas sa gueule? Il en a un, mais attends. Ah ouais, lourd. Je fais C'est ça? C'est cette arme-là? Non, c'est pas celui-là. Ah. Il est dans le coffre. Ok. File-moi le fric. Ouais, mais attends, parce que imagine, il n'est pas dans le coffre. T'as une arme en main, moi j'en ai pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Jimmy. Bon, vas-y, tu sais quoi, regarde, je vais te faire confiance. Je vais donner l'argent, mais le truc c'est que si. Elle y est dedans? Ouais, c'est bon, elle est dedans. Ok, tiens. 45, c'est bon. Tiens, champion. Je te remercie. Pas le con, Jimmy, je suis pas le con. Bon, si jamais j'arrive à retrouver quelques trucs, je passerai par l'air du bide, d'accord? Carrément. Jimmy, t'as mal dans la tête, t'as plus de l'alcool, yo. Qui boit? Oui. Arrête de déconner, c'est très bien que j'arrête ici, connerie. Je suis en train de me repentir tout doucement. Et ça, la stamp que t'as dans les mains, tu la vends pas? Ah, je la vendrai, mais pas pour le moment, d'accord. Ok. On peut être tes clients prioritaires si jamais? Oui, ils vendent des armes sur long terme, je le braque pas. Ouais, mais j'aimerais bien savoir avec qui je travaille. Ben, avec. Je m'appelle Céliane, mon frère il s'appelle Bader, et l'autre petit frère il s'appelle Idriss. D'accord, ok. Voilà. Vous voulez mon numéro? Ouais, carrément, vas-y. Allez, 33-37, c'est mon numéro. Vous savez pas me trouver, je t'attends quelque temps à Vespucci ou à Maidroute. Ok, de toute façon, je t'appellerai si jamais il y a besoin. Ouais, d'accord, c'est ça. Et Jimmy, tu parlais de labo tout à l'heure avec Lamar? T'as toujours des. C'est de l'histoire. Ah, c'est fini? C'est fini tout ça. Ouais. Ok, ça marche. Pourquoi? Débranché quoi, toi? Non, parce que. Non, comme ça. C'est 33-37 ton numéro 1 hein. Ouais, 33-37, ouais, exactement. Ok, ça marche, merci. Ok. Non, parce que nous, on avait un peu de. Un peu de mettre, mais il nous fallait. On sait pas comment faire pour la mettre sous pochon, la vendre et tout, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais, je vois. Si jamais t'as des trucs, n'hésite pas à me dire. Ouais, t'inquiète pas. Merci, Jimmy, t'es un bon. Ouais, faites gaffe à fou les jeunes, d'accord. Vas-y, ciao, Jimmy. Un bon.
T'es un bon Jimmy, merci. C'est un projet encore. Je laisse pousser encore. Señores, ça va mon ami? Ouais les amigos. Tu vas bien? Ça va Papa Chango? Il a failli attendre. Pardon, mais parce que regarde, viens voir le coffre, comme tu vas être content. Regardez ce qu'on vous a pris. C'est quoi ces coupes de cheveux là? Bah ça a poussé, ça fait que pousser. Putain. Vrai paricogno, t'as vu la petite chemise à fleurs, tout ça? Eh ouais, on s'est... Parce qu'hier on a eu chaud. Regarde, dis-moi si je te régale. Oh des bouteilles d'eau, oh des parapluies. Juste les munitions du truc que tu nous as dit, ça on n'a pas trouvé, mais sinon tout le reste on a trouvé plus du bonus. Et tenez, le petit cadeau, la cerise sur le gâteau comme on dit. Et tout, il y a pas de putain. 5 magazines Playboy pour Spougnette. Queso. Pour bien se branler, chef. Oh, regarde, il y a des femmes là-dessus. Voilà. des femmes d'États-Unis. Attends, montre. Ah oui, d'ailleurs, parce que vous le connaissez pas, ça du coup c'est mon ref Bader. Celui que je vous dis qui était pas là hier. Bader. Ça, voilà. Un nombre de combien? Oui, c'est mon frère jumeau. Très bien. Il sent le gringo, mais. Très bien. Le gringo. Si c'est mon frère, c'est ton frère, Papa Chango. Ouais, c'est mon frère. Oui, bien. C'est mon frère. Par contre, il va falloir qu'il monte sur les genoux. Excusez-moi, merci mon frère. Quelqu'un s'il veut venir. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais on a des petites choses à faire aux États-Unis d'Amérique. Je suis pas venu pour rien. Tu vois, il y a mon petit joujou là. Et ouais. Il y a besoin de trouver beaucoup les munitions pour ça. Ok. T'avais un armurier ici aux États-Unis? Alors il y en a un, mais est-ce qu'il est ouvert là de suite? Tu veux que je me renseigne? Oui. Père, papa, qu'est-ce que on est traite les gars ou quoi? Madre de Dieu. Abusez pas, wesh. Qu'est-ce que je vais envoyer quelqu'un voir s'il est ouvert. Oh, Papa Chango! Oui. Wouah! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais-moi essayer. Ça va vraiment trop vite, regarde. Putain, Allez, ouais, faites-vous putain, plaisir, putain, les gars. Putain, des putains. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Soigno. Merde. Putain, des merde. Là, faut payer, là. Oh. Attends. Je rigole, je parle doucement. Ça va très vite. Ça va trop vite. Bande de sales fils de pute, là, la voiture. Pas quelque chose qui va moins vite. Comment ça? Pardon? J'ai cru d'avoir une voiture qui va moins vite. Non, pas. Il nous a dit que l'armurerie a été fermée, là, il m'a envoyé. Ouah, là, j'ai cru d'avoir entendu. Du coup, compliqué. Est-ce que tu me montrerais où est cette armurerie? Il y a pas moyen de revenir de moi-même. Tu veux qu'on ait un hélicoptère? Si. Si, on peut, vraiment. Allez, c'est parti. Vamonos! Vamonos. Tu t'assois sur là où il y a la mitraillette, Bader? Non, je vais faire une dinguerie après. Prendre quelqu'un sur vos genoux. Je te dis. Si, allô? Allô? On va mettre un peu de musique. Allô? Ah non, attends. Allô? Allô? Raccroche. Raccroche, c'est Céliane, mais raccroche. Raccroche, colonel. Pas exprès, raccroche. Mais non, c'est pas Céliane. Attends, j'arrive plus à porter. C'était Diego. Putain de Diego. Mais Rolio, mon rêve pour les 1 an, merci mon frère. Comme ça? Comme ça. Ah non. Bah même pas comme ça, attends. On n'avait pas prévu que vous auriez un troisième. On est venu avec deux hélicoptères. C'est bon, je crois. Perfecto. Si, allô. Allô. Rien. Ah, il est trop fumé. Ah, de retour à la maison. Et... Okay. Vous tenez bien. On se tient bien. Si, patron. Oi. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Hola, gringos. Ça va? Vous allez bien? Kilo pepper. Hola. Vas-y, assis-toi, Idriss, assis-toi. Oula. Bonsoir. Voilà. Bon, apparemment vous cherchez à nous rencontrer depuis hier, de ce que j'ai compris. Oui. Moi je le savais déjà. Vous êtes qui? Présentez-vous. Quelles sont vos ambitions? Alors, moi je m'appelle Céliane. Là c'est mon frère Bader. Ça c'est mon petit frère Idriss. Bon, déjà, excusez-nous de base parce que on a fait la fête là, le temps que vous aviez un rendez-vous, j'ai cru comprendre. Donc du coup, ils sont un petit peu bourrés. Mais rien de fou. Ah bon.
Ouais, ouais, ouais. Léger, 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 léger. De vite fait. Bourré, de speed. Wow. Mes rendez-vous. Comment? Non, on n'est pas rebou, la famille. Un peu, juste vite fait. Un peu, quoi. Putain, des merdes, Yant. Ils ont fait, non, mais ils ont fait la fête comme, comme à Caio Perico, on aime bien faire, c'est ça? Mais c'est quoi, vous êtes des junkies là? C'est quoi ces conneries? Non, non, rien à voir, rien à voir. Juste, ils ont fait la fête en attendant que vous soyez disponible, quoi, c'est tout. Enfin, bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour parler de ça. C'est bon, moi, je suis, moi, j'ai pas bu, tout va bien. Et en gros, dans les grandes lignes, il y avait Papa Django. Papa Django, qui était, qu'on a rencontré à Los Santos. Qui recherchait des radios et un petit peu d'équipement pour l'armée, tout ça. Donc du coup, tu m'arrêtes hein, si jamais je me trompe, Papa Django. Hein. Du coup, ben voilà, on l'a aidé. En échange, étant donné que nous, on touche un petit peu à la drogue, mais sur Los Santos, ben, il nous a dit qu'il pourrait du coup nous faire les présentations avec le cartel, sachant que je pense que vous avez de la meilleure drogue qu'à Los Santos. Donc peut-être qu'on pourrait faire affaire et on vous achète du stock, nous on le fait partir là-bas. Je sais pas comment vous voyez ça, mais d'abord va falloir commencer par faire ses preuves. On travaille pas avec n'importe qui. Je comprends que si les premiers gringos qui arrivent et qu'on leur fournit notre cam, ça serait trop facile. Après nous on a l'argent, ça veut dire l'argent, ouais. c'est pas un problème, on en manque pas, seigneur. Ce qu'on veut, c'est travailler avec des personnes de confiance, des personnes efficaces. Je comprends. Ouais. Donc, moi, je suis le secondo. Et mon patron m'a dit de vous dire que on va se rencontrer dans 2 jours. Et dans 2 jours, on veut que vous nous apportiez toutes les informations sur comment fonctionne Los Santos du côté illégal. Je comprends. Ah, même ce soir, on les a, hein. On va vous laisser 2 jours parce que le patron voudra être présent quand on va discuter avec vous. Et on veut absolument tout savoir. Comment fonctionne, qui dirige. Il est en train de gerber devant chez moi, ce bâtard. C'est quoi ce bordel? Je vais le tirer dessus. Je m'en occupe, la famille. El cartel. El cartel. Je m'en occupe. Recule, tu empestes. Je m'en occupe, le cartel. C'est quoi cette odeur? Franchement, quand ils sont pas bourrés, ils sont vraiment pas comme ça. Reste ici, toi, reste ici. Je vais aider mon frère, la famille. Non. Cabron, reste ici. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse ton frère, il va aller discuter avec mi amigo. Non, il va. Vous ne savez pas tenir de l'alcool? À Los Santos? L'alcool. Putain, laisse-moi tranquille, toi, je sais que. On nous a vivement conseillé. L'alcool, hein? Tranquille, avance devant moi. Un petit peu d'argent, je travaille à Caio Perico, donc. Je sais pas trop quoi faire. Ça veut dire moi je suis resté le porte-parole, je suis resté clean, mais en même temps de l'autre côté il fallait qu'on consomme. Moi bien. Felipe, il y a des choses à rajouter avec les seniors que j'ai peut-être oublié. Non, t'as tout dit. Tout dit, hein. Ouais. Ouais, donc en soi, on veut travailler avec des personnes efficaces. Là j'ai l'impression que mis à part toi, tes gars sont complètement à l'ouest. Ils sont ivres et c'est mes frères et ils sont limite mieux que moi. C'est pas l'impression que tu nous donnes. C'est juste l'alcool, chef. Dans 2 jours, tu vas chler. Ça veut dire quoi, ça, seigneur? Hey, c'est une insulte, ça. Non, en gros, tu vas être choqué. En gros, Je serai content. Tu seras content, quoi. Je pensais qu'ils étaient un peu plus sérieux, désolé, amigo. Non, mais attends, papa Django. Tu fais perdre votre temps. Non, pas du tout, papa Django. Tu peux témoigner que quand ils étaient pas bourrés, ils étaient sérieux. Je peux témoigner de rien du tout, gringo. Je t'amène devant des gens, les gens les plus importants de cette île. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est me ramener une espèce de cogno qui est complètement bourré et l'autre qui va vomir. Oh, des putains. Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain de merde? J'engage ma réputation auprès du cartel. Insultez-moi, je mérite. Mais dans 2 jours, rien à voir. Hijo de puta, apporte-le là-bas, va lui faire passer l'envie à lui d'être bourré avec ta matraque. Viens ici. Apporte-le là-bas, lui. Viens ici. C'est pas la peine d'en arriver là, hein. Viens ici. Je pense qu'une bonne correction. Chef, Salva, viens. On m'avait dit consomme. Vous savez devant qui vous êtes ou pas? J'ai dit, tu vas donner de l'argent à Caio Perico, j'étais pas dit de boire et tout est dans le bourré. Si, tu m'as dit consomme. Je veux juste consomme quoi? Des pistaches? Il pue sa mère, la pistache là-bas. Ce que j'ai dit, c'est de donner de l'argent pour les gens d'ici. Oh.
Bon, hey, j'ai compris, chef. J'ai compris, frappe-moi pas. Fracasse-le. Non. Oh. Non. Oh. Demandez quoi, pas... Fracasse-le, fracasse-le. Non. Oh. Okay. Ah. Aïe. Ah. 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 Aïe. 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 J'espère que tu l'as compris, ce que c'est. Je vais le porter. Je vais le ramener là. Voilà ce qui arrive quand tu manques de respect. Du coup, on va, comment dire, on va se donner rendez-vous dans 2 jours. On va se renseigner sur vous. On va... Et on attendra des réponses, comme je t'ai dit. Le patron sera présent. C'est lui qui décidera. Tu comprends? Ouais, ouais. Et comme on t'a dit, on veut savoir tout ce qui se passe à Los Santos, comment ça fonctionne. Et on discutera peut-être de ton rôle. Derrière, il y a un mec qui a tagué en anglais. Ouais, ouais, ouais. Ça va, champion? Ouais. Ouais, ouais, ça dit quoi, ça dit quoi? Bah, on est là, et toi? On est là. Du coup, vous vouliez me voir pour quoi, là? Tu te restes un petit peu de drogue, là? Sandro, faut savoir... C'est pour... Remballer c'est pour ça pour passer au Vagos. Non, on te l'achète. J'ai la... Non, c'est quoi? Cette fois, on te l'achète cash. Mm-hmm. C'est quoi la phrase, hein? Ouais, t'as la haine? Non. Vous voulez combien? T'as combien? Non, je t'aime pas, tu m'aimes ça pas. Ça dépend, tu veux combien? Je veux tout le max. Je vais te fournir 300 kilos. Ok. Ouh, j'aime bien. 300 kilos de quoi? De cocaïne. Ok, je te la prends cash. Je te la prends cash à $120 le pochon, c'est bon? Non. Impossible. Bon, ça, non. Pourquoi? Je la fais à 250. Mais t'es fou. Avec ça une pipe, monsieur? Mais 300, je te prends 300 pochons là, je te prends pas, je te prends pas 50. Justement. Bah, justement. Mais sur 300 pochons, si je les vends moi-même, je me fais plus de bénéf. Bah si tu veux les vendre, non, je les baisse. Je les fais à 250, normalement le pochon je le fais à 350. Oui, mais si jamais tu veux les... Là ce qu'on achète, c'est ton temps. Ça veut dire que là tu vas gagner du temps en gros. Ça veut dire exactement, que là, au lieu d'aller les vendre ça un par un, MNL. Ok, tu vas te faire plus d'argent, mais tu vas perdre du temps sur là où tu pourrais gagner de l'argent en gagnant du temps. Et nous, on t'abrège ça. Donc, au pire, je te les prends à 180. Mais 300 pochons. 180. 180 fois 300. Et... Ça fait $54,000 que je te ramène dans pas longtemps, bouge pas. Vas-y. On se rejoint ici, toi tu viens avec la drogue et moi je viens avec l'argent. C'est bon, travail. Et on t'a baisé une deuxième fois, fils de pute. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La vie de ma mère, c'est vrai. Bah les couilles, c'est vrai. Au revoir. Non, arrête, non. Non, je rigole. Vas-y, passe-moi la pata. Oh, ça te fait pas rire, Sandro? Drôle, merci non. Pour le deuxième mois, merci, mon frère. Vas-y, bien vu, prenez ce qu'il y a dans le coffre. T'es un bon, Sandro. Ah ouais. Et t'as toujours pas mis des chaussettes? Bon, t'as fait un effort déjà, t'as mis des hautes chaussettes. Des sockets, mais inversées. Je les ai troués, comme ça au moins mes doigts de pied ils s'aèrent. Mais quoi, dans ton truc, tu dois avoir les doigts de pied sur le goudron? Allez, venez, on perd pas de temps. Vas-y, force à toi. On en discutera un jour, tu nous expliqueras un peu le. Eh, hey, Sandro, il te reste combien là? M'en reste encore un peu, mais je garde pour d'autres clients. Vas-y, champion. Vas-y. T'es un bon, Sandro. Avec la voiture cassée là? Ouais. Frère, moi je te dis, c'est un bail de. Là, en 2 secondes, il va y avoir 8 mecs qui vont arriver sur nous. Ouais, hein. On le prend, on l'embarque et voilà. Il est là. Ouais, bouge pas. Il parle à la radio, regarde. Oh, tranquille. Ça va trop vite, non, mais frère. Ouais. Viens, bouge pas, je t'allume. Bouge pas, vas-y, je monte avec toi. Ouais, ouais. Vas-y, avance. Ouais. Roule, fils de pute. Vas-y. Pose ta radio, pose tout. Fils de pute. Pose. Vas-y. Bombarde, va à gauche. Bombarde. Vas-y. Ouais. Vas-y, roule tout droit, encore. Fils de pute. T'as ton arme là? Range-la. Enlève ton masque. Vas-y. Vous voulez nous sauter là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Tu rentres dans mon gars, tu crois c'est quoi? Tu crois c'est un karting? Là, on s'en bat les couilles, on rentre même en toi. Vas-y. C'est comme ça, c'est. Hey, écoute. C'est dangereux ce que tu fais. Vous faisiez quoi la fête foraine? Ça te regarde pas. Comment ça? Mais tu vas me dire, je vais te piétiner, tu vas me dire. Ah ouais, tu veux piétiner le bras droit des balasses? Bah, je veux. Ah ouais, vas-y, mais force à toi. Bah les couilles.
Force à toi. Non, vas-y. Mais réponds à mes questions, tout va bien se passer. Vas-y, dis-moi. Je crois bras droit, c'est quoi? C'est une idée. Non, mais vas-y, fais, je te dirai, tu verras juste. Je vais voir quoi, sale fils de pute, je vais voir quoi? Regarde. Je vais voir quoi, fils de pute, je vais voir quoi? Qu'est-ce que je vais voir? Explique-moi, s'il te plaît, par pitié, je vais voir quoi? Parle! Je vais voir quoi? Tu me dis quoi? Je vais voir quoi? Je vais voir quoi? La putain de ta mère, je vais voir quoi? Hein? Tu faisais quoi à la fête foraine, sale fils de pute? Tu faisais quoi? Il y a des guerres de territoire, on défend notre territoire. C'est votre territoire, la fête foraine? Bah ouais. Par contre, viens, on reste pas ici, monte avec nous. Eh, c'est le bras droit. Bras droit de qui? Des balasses? Ouais. Et bah les couilles, non? Ouais. On va lui parler, hein. Vas-y, reculez, comme ça je monte. Vas-y. Fais pas le con. Surveille le prix, voir ce qu'il fait. Ouais, je le regarde là. Je prends à dégainer l'arme. Eh, tu sais, cours pas. Je vais pas te louper, moi. On m'appelle le El Pistoré, puis nique ta mère, Marlon, fils de pute. Je peux retirer un aussi gros montant. Va à l'intérieur. Tu peux retirer combien, Max? Combien? Je sais pas, attends. Il est en claquette, il est sorti décontracté parce qu'il s'est dit c'est Abel. Mais là, il y a les bras bus, fils de pute, là. Mets des chaussures, serre les lacets au max. Bah tant pis, vas-y, monte. T'as combien? Sur mon compte là, j'ai... Mais retire en plusieurs fois, trou de balle. Attends. T'as retiré combien là? Non, ouais, on fait plusieurs distributeurs. T'as retiré combien? J'ai envie de te baffer là. Oh, grouille-toi dans notre ville. Là, j'ai 50 000 là, tiens. Vas-y, on voit. Retire 50 000 encore. Va à celui d'à côté, tu retires 50 000 encore. Tiens. Arrête. Retire à l'autre. Voilà. Des petites tresses là. Déjà, hop, donne-moi ton écharpe, hop, elle est à moi. Je vais traîner avec. C'est la 30 000. Ça fait combien là? Ça fait 80 000 dans tout là? Ouais, voilà, c'est bon, ouais, ça suffit en vrai. Vas-y, monte. Parce que dans tous les cas, on va être livré, je te mens pas. Bah, Vincent, ça suffit pas, c'est 120 000 le prix que t'as livré. Ouais, y'a pas, donc bon. Donc désolé. Ah, vous allez quand même livrer là? Bah, y'a pas assez, t'as pas assez, casse pas le dos. Bah, ramenez-moi. Ok, vas-y. Frérot, c'est toi qui... On t'a baisé. Eh ouais, t'as retiré, t'étais content, hein. Eh ben non. Là, tu vas te faire piger par Abel. Vous voyez gambader dans Groove Street, là, faire du BMX. De pute. Je t'ai dit, mets des chaussures. Là, t'es sorti en claquette, c'est plus pareil. Et viens plus à la fête foraine, hein, on va te baiser aussi. Ouais, mais je vais revenir à tout problème. Mais il pourra plus revenir, les vagos, c'est ils vont le tuer. Pour de vrai, là, ils vont le canner. Bah, je pense. Ah ouais, ma putain. Regarde ce qui va te baiser, regarde. Allez, descends. Allez, viens. 0 sur 10 charisme, mais il va te niquer ta mère. Non, viens là-bas. Ah, c'est là-bas, là. T'as vu, Abel? T'as kiffé ou pas? T'as vu le bras droit direct, nous? On parle bien, parlons bien. Ouais, ok. Mais par contre, désolé, j'ai pas la carrure pour te parler, le charisme, désolé. Ah mais non, mais je rigolais, ça c'était pour foutre la haine. Ta mère. C'était pour foutre la haine, parce qu'on l'a baisé en fait, t'inquiète, mais non. Ah ouais, c'est vrai. C'était, je t'aurais bien vanné dessus avant, là c'était juste pour foutre la haine. Ah, ce fils de pute. Tranquillo. Mais non, bout de... Eh, hey, je te jure, t'inquiète. Ouais, allez, ferme avec, ta gueule. Avec le temps. Ah, j'y crois pas trop. Ça va, Marlon? Ouais, tranquille. Je vois que tu peux pas te débrouiller tout seul. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de temps à vous accorder, du coup. D'accord. Mais toi, quand il voit que tu viens à 15 pour me péter, et moi avec 3 personnes, ça suffit, ça 15, me fait rigoler. Pas 15. Oui, vous étiez combien? 7, 8? Vous étiez 8. Ouais. Ouais, voilà, ils sont 3 et nique ta mère, bref. Ça ne change rien. Bon, parlons comme des grands garçons. On n'a pas 8 ans et on n'a pas que ça à faire, on est d'accord? Ouais. Donc apparemment, la fête foraine t'appartient. Ouais, elle appartient à mes gars, moi, au Balas, ouais. Ok. Super, allez. Maintenant,
Tu m'as pris combien? J'ai pas regardé, j'ai même pas regardé combien vous m'avez pris. Je sais pas, c'est mes gommes. Ok. De la voiture. Ok, enlève tes claquettes. Vas-y. Bien vu. Combien de plata vous m'avez pris? J'en sais rien, je te dis. Je sais pas, ton portefeuille, il a été vidé de combien? Je sais pas, tu veux que je regarde, mais j'aimerais bien que tu me donnes la réponse. Vas-y, je sais qu'un de tes gars te l'a dit. Pour les pieds crochus. Je sais pas, 20 000 il a dit, je crois. 20 000? Je crois que c'est ça. Non. Enlève ton t-shirt. Vas-y. Quoi, à la fin, tu vas le baiser? Tu me dis quand on peut se commencer à se les branler. Nique ta mère. Bon, bref, regarde ce qu'on va faire. Je t'ai baisé par des mecs en short. Barlon, regarde, on est en short chemise, on t'a baisé, bouffon. Je vais prendre, on vient de vacances. Regarde, ouais, il ouvre mon bracelet. Les mecs en chemise à fleurs, ils t'ont baisé. Je vais prendre ton t-shirt. T'as des trucs cachés dans ton t-shirt, je sais pas, des poches, je sais pas, parce que vous êtes parano les balasses. T'as des trucs dans tes poches là sur toi? Non, non. T'as combien de plata? Dis-moi, avant que je te fouille. 3000. T'as 3000? Ouais. Ok. Et l'entraîneur de Marseille, là, il s'est encore embrouillé. Tu verras pas d'inconvénient que je te prends cette plata. Non, vas-y, prends. Ils sont pas roulés. Allez. Maintenant, tu vas dire à tes gars, à tes hijos de puta, des petits, de grands, de Adonis de mes couilles, que la fête foraine, je vous emmerde là-dessus, ce n'est pas la vôtre. Je sais pas si tu te rappelles, on a eu une discussion il y a une demi-heure à peu près. Ouais. Ok, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. La fête foraine n'est pas à toi. Tant que je verrai. Pose tes couilles dessus comme un homme. Mais ça fait combien de temps? Comme un vrai homme. Ça fait combien de temps, hijo de puta? Je te vois jamais. Ne hausse pas le ton quand tu es ici, hijo de puta. Et bah pourtant, il me suis occupé de Fatou ce soir. Ouais, et je m'occuperai de n'importe quel gars qui sera à la fête foraine ou alors à Vespucci. Ouais, tu t'es occupé de Fatou et pendant 3 ans. Mais pourquoi personne n'a calculé la fête foraine et maintenant tout le monde vend dessus? À la base, c'est à nous la fête foraine. Hein ouais, c'est vraiment à nous par contre, les gars. Mais vous, voilà. Je vous connais même pas. Écoute. Ouais, mais nous, on vend là-bas. On va faire clair, ok? Si c'est à eux, c'est à nous. On est bon? Voilà. Donc c'était petit. Non, pas vraiment. On est un peu indé quand même. Ils sont mis petits. Bref. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là. Vous vous êtes amusé. Tu sais quoi, je vais regarder combien vous m'avez pris. Je vais prendre 5 secondes pour regarder. Vas-y. Ok. Mais pourquoi c'est parti en couille? Vous m'avez pris à peu près, je sais pas, 5-6 000 dollars, ok? Donc là, il manque un petit peu pour rembourser ce que vous m'avez pris. Donc là, parce que vous vous dites que la fête foraine, c'est à vous, je vais te niquer ta mère, ok? Là. Je vais te niquer ta mère. Après, je te laisse sur le bord de la route. J'envoie une petite photo à Adonis. Et après, si tu veux me récupérer la fête foraine, fais ce que tu veux. Mais c'est à moi. Est-ce que c'est bon? Vas-y. Qui veut avoir... Mais combien de chances, tu que ça? Qui veut avoir l'honneur, là? Qui veut? Toi, t'as l'air surexcité, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai fait quoi? Vas-y, nique-lui sa mère. On l'a déjà attrapé, on va pas tout faire, Abel, quand même. Parce qu'il a pas tort. Ah ouais, hein, il y a suffisamment, si tu veux qu'on lui dise. Bah oui, on déjà peut pas. On te l'a ramené, on le frappe, on les. Attends, t'as dit quoi? C'est quoi? Je mets du jaune aussi. 20 000, ouais. Ok, bien vu. Bah de rien, t'inquiète, on est ensemble. Ouais. Mais oublie pas ma paye à la fin, Abel, hein. Allez, Abel. Putain, c'est dommage, j'ai pas envie de te mettre un coup de club de golf, mais j'ai que ça, vraiment. Payette, ils lui ont niqué son dos, je suis en train de. Voilà, tu prends une balle, c'est toi qui décides. C'est quoi, je suis gentil? Club de golf, quand même, okay. Une balle, c'est pas la même. Mais je vais m'assurer de bien viser la tête, que tu sois moche toute ta vie. Déjà que là, tu es pas très beau. Attends. Attends, ça se fait pas, wesh. Ok, là, j'ai le bon angle. C'est pas bien. Voilà. Et toi, c'est parce que, comment ça, tu prends pas 80 000? Aïe, pardon. Tu prends 80 000 et tu me dis pas. Et après, on tire au loin. Oh. Ah. Wesh. C'est en face. Touche-les. Oh, c'est des balles en plus. Ouh. Putain, c'est à eux qu'on a. On a kidnappé leur bras droit. Oh non. On va se faire baiser. Attends, mais il y a des flics là.
J'ai envie de leur tirer dessus, ça. Non, abuse pas. Bah ouais, la police, bien joué. Bien joué, la police. Bien joué, c'est grâce à vous qu'on est en sécurité. Merci, bien joué. Merci, monsieur les agents. Merci encore. On circule, mais merci. Merci de nous protéger. Eh, t'as bien... Attends, recule. Eh, c'est toi avec le chapeau, là. Allez-y. T'as bien fait de l'enlever, hein. Bien joué. Ouais, oui. Parce qu'il vous allait super mal, là. Ah, c'est vous, monsieur le procureur? Ouais, t'as vu, avec le vieux chapeau, là, il l'a enlevé. Oui, c'est moi, monsieur. J'ai niqué mon casque. Vas-y, avance, avance. Eh, procureur, nique ta mère. Hey, Driss, t'as vu, j'ai posé un brevet sur les je m'en fous. Ah ouais, la prochaine fois j'irai bas les couilles. Mais du coup, ouais, ça putain, fait bas les couilles, ouais, j'ai pas fait. Attends, les balas, du coup, vu qu'ils sont fait niquer, ça veut dire maintenant on peut vendre tranquille. Par contre, Aiden, lui, vraiment, je vais l'attraper, je vais lui faire un film. Eh, de tu cul, veux pas faire le truc à Tyrell? Attends, mais on est pas sûr, Aiden. Mais bien sûr qu'on est sûr, frère. Aiden, il vient des mais familles. Viens, bah justement, viens, on fait le truc Tyrell. Oui, on... Attends, j'appelle le descendez. Allez, descendez. Descendez, tous, levez les mains. Ok, on descend. J'allais appeler Moussa en plus. Ton arme, tu me la passes. Prenez, donne-moi ton arme. Je mets tout dans le petit sac. Oui, c'est bon, je t'ai donné. Nickel. Allez, c'est bon. Okay. C'est bon. Va dans le coffre, Non, on s'en bat les couilles. C'est quoi l'écrit? Je vais l'arracher sa mère. C'est qui ça? Va derrière. Va derrière, c'est bien. Consommez pas radio, s'il vous plaît. Bon. Les trois frères là. Qui es-tu? C'est Trix. Qui es-tu? Je tue. Ah ouais, regarde son bonnet avec ses. Non, c'est pas Trix. Ouais, et Trix il nous aurait appelé, il nous aurait dit venir à Forum. Ah ouais, parce qu'il a des couilles lui, Trix. Ouais, Trix c'est pas un fils de pute comme toi. Ouais, Trix c'est un bonhomme, pas comme toi. Attends, vous êtes marrant. Rendez-lui son téléphone là, rends-lui son téléphone, DJ. Ouais, c'est bon, je l'éteins. C'est bon, il est éteint. Non, rallume-le. Tu veux que je rallume? Mais attends, c'est long, allume un téléphone. C'est pas de gagner du temps. Quoi? Je vais perdre patience avant toi. Attends. Allô? Bon, baisse ta mère. Attends. Je comprends pas où tu vas venir. J'ai rien à prouver. De toute façon, là, tu sais très bien ce que t'as... Vous savez très bien ce que vous avez fait, vous trois, là, ou je sais pas c'est lequel. On a fait quoi? Vas-y, on a fait quoi? Radio, ça me rend ouf. Comment ça, vous avez fait quoi? Eh hey, regarde, de toute façon, je vais être carré avec vous. Là, soit vous me dites la vérité maintenant, et peut-être vous avez un moyen de vous en sortir, soit je vais vous baiser vos mères tout de suite ici, je vais tous vous coucher là. Ça la vérité simple, maintenant, hein. Essaye de s'en sortir et je vous baise vos mères. Ok, toi t'es le maillon faible. Ok, les deux autres là. C'est le chef. Comment? C'est le chef Idriss. Oh putain. Ça, jamais ça se voit, tu nous connais pas, Trix il le sait que c'est Idriss. C'est moi le chef du groupe. Si t'as un mot à dire, c'est à moi. On va pas finir. C'est crédible. On a fait quoi, les gars? Je vais vous allumer le Jamel Community. Mais on a fait quoi? Dites-nous. La putain de vos mères, vous et vos bombes de spray au quartier là. Quel truc de spray? Eh, moi, y'a des mecs. Bah vas-y, c'est bon, on va te faire enculer. Je croyais. Moi, je croyais pas ça pour les cheveux. Je croyais que c'était un truc pour la drogue ou un truc comme ça. Moi, tu me parles de tag, tu prends des taggers, nous. Je vais tirer dessus. Décroise les bras, je vais te baiser ta mère. T'es là, t'es en détente. Je te couche maintenant. Écoute, Trix, nous, on fait la blague qu'une seule fois. On la fait au Mayans. Et après, ça y est, c'est pas drôle de la refaire. On est pas. T'es curly, toi, recule. Nique ta mère, toi et les curly. On est pas des taggers, nous, hein. Mais on est les propriétaires de la fête foraine. Et ça nous a pas plu, là, ce comportement, les gars. Mais je l'encule. Ok, alors y'a quelqu'un qui vous a balancé, il y a des habitants qui vous ont vu. De quoi? Qui nous ont vu quoi? Qui vous a balancé. Ouais, regarde, en fait, décroise tes bras, je vais croiser tes ligaments ensemble, là, fils de pute, va. La putain, enlève tes bras comme ça, là. Arrête et laisse-moi te dire comme je veux, ça va pas ou quoi? Je m'en bats les couilles, arrête de croire que t'es en détente ici, je vais te baiser ta mère, là. C'est bon. Eh, regarde, c'est simple. Là, il s'est passé des choses au quartier, vous avez tagué un quartier où il y a je sais pas combien de familles, ils croyaient ça allait passer inaperçu, bande de fils de pute. Quel compte son quoi? Quel? De quoi? Où je vais tirer dessus, Céliane. Je peux rien faire, je sais pas quoi faire de mes mains, s'il te plaît. J'aime pas avoir les mains qui... Reste droit, baisse ta main. Qui t'a dit que c'était nous? Les mains du quartier, les habitants, les tantines aux fenêtres, tout le monde m'a dit que c'était vous. Tu vas avoir la gueule, c'est un putain d'usine dans ta grand-mère. Ok, tu veux que je te donne une raison de pas me tuer? Vas-y, dis-moi. Écartez-vous. Viens, truc s'approche. Viens, qu'est-ce que tu veux? Viens, je vais pas t'embrasser. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-moi. Approche-toi. Casse-toi. Je vais te donner un truc, s'il te plaît, viens. Donne-moi un truc, vas-y.
Ouais. Ouais, c'est quoi ça? C'est la coke, wow, quoi, goûte, goûte la, goûte la, goûte. Ouais, d'accord. Je suis pas encamé, moi, je m'en bats les couilles. Va la vendre, va la vendre. Moi, je vais loin, trouve un client. Je la goûte. Va la vendre. M'en bats les couilles, je suis pas un vendeur, moi. Qu'est-ce que tu veux? De là, de là, de là. Tes gars, il va la vendre. Ça, c'est de la cocaïne de Caio Perico, ça. Ça se vend 1000 dollars. Problème, ça sent des couilles. Ça se vend 1000 dollars. 1000 dollars le gramme. Tu vois? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ça veut dire. Ouais, tu veux en venir et donc? Ça veut dire nous. Ça arrange quoi? Ça veut dire que nous. Tu vois, comme t'as dit, tu nous as tendu la main, on est reconnaissant et tout. On est... Tu vois, nous on est des bons avec t'es toi. Reconnaissant en écrivant Trix fils de pute dans mon quartier. Non, c'est pas Trix, on t'a jamais fait. Arrête de te prendre pour un mec qui fait du business, t'es pas un businessman. T'es juste un trou du cul, t'agis avec tes putains de couilles. Et ça, ça me fait péter les plombs. Écoute, et là, y'a absolument un qui m'empêche de baiser ton business et de te tuer maintenant. Trix, on a pas écrit, on a pas parlé de toi. On a juste. Moi, j'écoute, t'as parlé d'un de mes frères, c'est la même chose. J'ai juste tag Tyrell et regarde, je parlerai plus jamais de Tyrell. Enfin, si. Je taggerai plus jamais Tyrell, je lui casserai plus jamais les couilles vis-à-vis de toi. Combien de fois tu m'en fais des combien de fois non, tu m'en vraiment, fais des promesses? Non, vraiment, c'est vraiment fini. Pas la première juste, fois. Ouais. Juste hier, je veux dire la vérité, hein. Hier, j'aurais pu l'attraper, j'aurais pu fumer, il n'y avait pas mon ref. Maintenant, mon ref, il est là. Ça veut dire maintenant, Tyrell, restez bien avec lui. Ça veut dire que tu dis que tu vas rien lui faire et après que tu le menaces. Non, je vais rien lui faire. Oh, non, je vais rien lui faire. Je vais faire une trip, ça va être incroyable. Je vais rien lui faire à ce fils de pute de Tyrell, ni à lui, ni à son pote qui m'a volé de la cocaïne hier avec son écrochu. Attends, mais hey, explique-moi le rapport là. C'est quoi le rapport entre ta coke de merde et ton. Le rapport, c'est que on est en train de monter un empire, Trix. Ouais, et du coup. Et que tu, et tu crois que tu vas t'imposer dans le business sans respecter personne et en faisant ton man? Nous on te respecte. À toi, juste Tyrell, on lui baisse sa grand-mère la Laisse-le, je le prends avec moi, je le calme. Ah, ça c'est recule toi aussi, tranquille. Vas-y, recule toi aussi. Je vais tirer dessus, redis-moi, recule toi aussi. Eh, dans tous les. Je vais dire un truc, Célian. C'est soit tu taffes avec tous les familles, soit tu taffes avec personne. C'est simple. Bah, je vais pas leur couper la parole, j'ai rien à dire là. Ça a toujours été comme ça. Donc, moi, quand je travaille avec vous, je travaille avec les frères Boudère, je travaille avec personne d'autre. Je travaille pas avec Célian, je travaille pas avec Yannis, je travaille pas avec l'eau. C'est bon, je vais travailler avec tous les familles en vie. Tu vas aller faire les tags. Donc votre putain de problème là, ça, depuis je sais pas combien de temps ça dure. Eh, soit vous le réglez maintenant, soit vous arrêtez de me casser les couilles. Parce que moi, ça me fait péter un plomb. C'est bon, je suis avec les balas, je suis en train d'enculer des gens. J'ai pas que ça à faire de régler des curly là. On a compris, c'est bon. Là, laisse-nous quelques jours et je te jure que avec tous les familles qui seront en vie. Combien de fois tu me dis ça? Regarde, avec tous les familles qui seront en vie. T'es un soundboard, la putain de ta mère, t'es un soundboard, ça fait 4 fois tu me dis ça. 4 fois j'entends la même phrase, ouais Tyrell on va mettre les trucs de côté. Nique ta mère. Soit tu fais les choses vraiment. T'es un businessman. Moi j'ai rien à dire là, j'observe, j'analyse. C'est toi qui a discuté et le lendemain tu retournes ta veste. C'est quoi là ton business, ton truc, ton machin là? Qu'est-ce que tu me racontes? T'as dit, prends un tes gars, il le vend plus loin et il revient. T'as dit ça vaut les 1000 dollars. Mais d'accord, je te crois, ça vaut beaucoup d'argent, d'accord, ouais. Bah y'a que nous qu'en avons, t'en as déjà vu toi. D'accord, il y a que vous qui en avons et vous pensez qu'à 3 vous allez rassasier tous les gangs d'ici là. Pas tous les gangs. Pour l'instant, on peut te rassasier toi si tu te calmes. Collègue Abel, ouais. Comment ça si je me calme, la putain de ta mère, depuis le début, on fait du business ensemble, je vous ai accueilli. Il y a que vous et Tyrell qui avez foutu la merde. Je conçois d'accord. C'est parti. Moi, s'il y avait ni Tyrell ni vous, il y aurait jamais. On repart du début. Première fois on se rend compte, ils t'ont fait quoi? Il t'a fait quoi Tyrell, Idriss? Moi, il m'avait mal parlé déjà dès le début. Et il lui a demandé de se déshabiller, il voulait lui faire des trucs chelous. Ouais. Donc déjà, les bases sont... Je m'en bats les couilles de là où ça part. Là, maintenant, c'est soit tu tournes la page, soit je vais tourner un chapitre et je vais vous tuer tous les trois. Je t'en bats les couilles de là où ça part, quand ça t'arrange, en fait. C'est toi qui m'as mis un coup dans la tête. Ferme ta gueule, toi. Pas quand ça m'arrange. C'est bon. Ça y est, Tyrell, calme-toi. Attends, tu veux passer ces tags de connard? Dans tous les cas, ça oui, mais là je parle d'autre chose là. Là je te dis juste que je m'en bats les couilles de où ça part parce que vous me dites une version, l'autre il me dit une autre. Donc je m'en bats les couilles, je suis pas dans Secret Story là, j'en ai rien à foutre de vos histoires, de vos dramas de merde. Maintenant, soit vous tournez votre putain de page là, chat à vos mères, drama. Soit je vous tue maintenant. C'est simple, là vous allez encore me dire oui, on va tourner la page avec Tyrell parce que vous êtes sous la menace d'un Uzi. Mais soit vous êtes des mecs, des vrais mecs du business, des vrais mecs qui veulent monter un empire et vous êtes capables de faire la part des choses. Et de travailler avec des gens, même si vous en détestez un parmi nous, soit vous allez aller nulle part, je vous le dis. Parce que là, vous faites des ennemis partout, vous faites des trucs de trou du cul. Entre le truc des Mayans, le truc des Vagos, le truc chez nous, vous allez faire aucun business. Votre coke, vous allez la vendre tout seul. Et sachez qu'à 3, vous ferez pas assez d'oseille pour baiser qui vous voulez.
Donc je vous le dis, c'est soit vous comportez en mec de business, soit moi je vais pas vous laisser ici. Hein. Je vous le dis, hein. Moi les gens qui me font concurrence, j'en ai pas besoin. Donc on fait quoi? Parce que là encore une fois, t'es sous la menace d'une arme, tu vas me dire oui, mais concrètement. Là moi je veux des mecs qui sont sincères, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je les ai pas attaqués, je leur ai rien refait. Ah je vous parle. Ouais. Vas-y, on arrête et on part chacun dans son coin. Laisse parler tes frères, toi. Pitié. Je te jure. Non, parce que lui, il veut plus te parler. Il en a marre de toi. Et non, c'est moi le chef, vraiment. Que tu le si t'en as marre de moi, pourquoi tu me proposes du business alors? Mais parce que il voulait trouver un arrangement. Parce que t'es borné dans ton délire de ouais. Tyrell, je sais pas quoi, Tyrell, on s'en fout. Mais je m'en bats les couilles de qui a raison, qui a tort. Le problème, c'est que vous êtes toujours en train de chercher la petite bête. Là, vous venez dans mon quartier, devant mes mannes, vous avez la vie de ma mère, vous avez de la chance qu'il n'y avait pas de family. Que là, on était en déplacement, qu'on était beaucoup. Bah, on a vérifié avant, tu sais combien on est là-bas ou pas, bâtard? Ouais, mais les habitants, c'est des petites putes, c'est des poucas. Peut-être de ouais, il y a des habitants, ils sont broliqués, ils auraient pu tirer dessus, t'as de la mais chance. Mais voilà, mais ils ont rien fait, nous on savait. Il y en a qui t'ont vu, il y en a qui t'ont pris en photo, il y a des grands-mères, elles m'ont. Ouais, non, mais ça on sait, ça on sait. La voisine, elle m'a dit. Non, mais ça on sait, mais on savait qu'eux, ils allaient pas nous tirer dessus, c'est les familles, quoi. Ouais, et donc. Nous, on savait que vous étiez pas là. Et donc, moi, je t'accueille, je te passe une assiette dans laquelle tu peux mettre ta soupe, et toi, tu craches dedans. C'est ça, concrètement, là, ce qui se passe. C'est la métaphore, et puis sa mère, mais bref. Concrètement, c'est ça. Non, elle était géniale, t'inquiète. Eh Bader, parle s'il te plaît, parce que je te jure. Les gars, j'ai bu, moi j'ai picolé à Caillou, je vous mens pas. Je suis un peu, t'as vu, je suis en train de décuver là. Vous êtes allé à Caillou? Ouais, la famille, ouais. C'est-à-dire, on était un peu alcoolisé, je te mets dans le contexte. On rentre alcoolisé, on se rappelle que Tyrell, tout ce qu'il nous a fait. On croise un mec là, un graffeur chelou avec un skate et un jean grave large, des Vans, qui est en train de taguer. On lui met une pêche, on prend ses bonbonnes, enfin ces trucs là. On passe à Forum et là, je sais pas, c'est. T'as on. D'un coup, on. Après, c'est flou. On cogite, c'est... on réfléchit, on dit putain, ouais, tac. Et hop, on a tagué. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en vrai, on regrette. Ok, vas-y, ta gueule, laisse parler, Céliane. Non, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je... Comment ça, c'est la vérité? T'es alcoolisé, tu penses à un mec que tu détestes. Mais... Bah ouais, quand t'es bourré, tu penses à tout. Tu penses aux choses bien, aux choses mal. Ça fait deux jours t'es bourré ou quoi? T'as fait deux jours d'affilée. Je crois, Edam. Comment ça? Une fois t'as Tyrell baisse ta mère après tous les autres tags d'aujourd'hui. Là. Comment vous êtes allé à Caillou? Dis pas. On s'est téléporté. En hélicoptère. Oh, je vais tuer trois man, vous vous rendez compte? Un quota. C'est quoi cette question? On est parti en avion, hélicoptère. Comment ça t'es parti en avion avec quel argent? L'argent de la com? Ah ouais, l'argent du bénéf. Donc t'es allé au truc, t'as payé en liquide genre 3000 balles de billets. Les temps ont changé, les petits sont devenus des grands. Tu peux payer, on est parti à l'agence, on a demandé un billet pour la destination la plus proche où il fait chaud et où on peut nager, voilà on est parti pour un peu oublier tout ça. Tu vois quoi, on doit coffrer, tout ça, blablabla. Faut mettre de côté le fer ou la pierre, ma bite, mon zub. Ouais, mais nous on a tout claqué dans des vacances, on l'a droit. Après là-bas, t'as vu, de force traîner dans des boîtes, des bars, on est tombé sur des petits trucs de coke. Vous êtes revenu des valises remplies de coke, donc. Non, on a que. C'est le seul gramme que. Non, on a. C'est bon, c'est... Si, on est revenu des valises remplies de coke. Et donc là. Voilà, putain, je voulais pas dire. Là, t'as un moyen de faire ramener de la coke en quantité ici. En grosse quantité, comme jamais t'en as eu. Mais que pour les mecs qu'on aime bien. Vas-y. T'as envie de vendre, mais va vendre. Pas trop. Non, je vais aller jouer à LOL avec Idriss. Bah vas-y les frères, bonne partie. Et vas-y, bah à demain les frères. Vas-y, ciao. Vas-y. Bye, ciao. Choisir le paradis ou enfer, c'est la question de trop. Nous de la ville, on a fait le tour. Revendeur de guitare, on a reçu les jours. La hoja les boyos m'entourent. Je vais finir.